Good morning, Aleiden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Richard Ron Ben Fortune Mazal, Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Ta'anit, Perek Aleph Mishnah Zain, Avru Elo Velona Anu, Mema'atin Bemasa Umatan, Bebinyan, Benetia, Beirusin, Benisuin, Bishelot Shalom, Ben Adam Al Khavero, qui venait Adam, Anizofin, Lamakom, Nizofin, Lamakom. היחידים חוזרים ומתענין, עד שיצא ניסן. יצא ניסן ולא ירדו גשמים, סימן כללה, שנאמר, הלא כציר חיתים היום. Je rappelle des Mishnayot précédentes. On a commencé à voir depuis la Mishnah du Gimel. Qu'est-ce que le procédé? Comment procéder lorsque la pluie ne tombe pas? Comment, quel nombre de jeûnes on devait jeûner? On commence avec trois jeunes pour les Talmidei Chachamim. Puis après, on avait eu deux séries, une de trois, une deuxième de trois, puis une série de sept. Ça allait en s'amplifiant. On commence avec les trois premiers jeunes. C'était juste en deux jours, mais pas la nuit avec. Trois seconds jeunes, c'est avec la nuit cette fois-ci, depuis le soir, comme à Tisha B'Av. Et puis après, la série des sept jeunes, on commence depuis le soir jusqu'au lendemain soir. Lundi, jeudi, comme ça, on fait sept jeunes d'affilée. La Mishnah continue en disant maintenant Avru Elou Velona Anu. Ils sont passés ceux-ci, c'est-à-dire on a déjà jeûné les sept jeunes, et on a déjà jeûné les sept jeunes, et quoi? Vélona à nous. Et ils n'ont toujours pas été répondus, ils n'ont pas été exaucés. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas reçu leur tfila, leur tchouva. Alors là, ça y est, on ne va plus instaurer des nouveaux jeûnes publics. Mais quoi? Mais ma'atin, bemasa ou bematan. Je lis d'abord les quelques mots d'un coup, après on explique tout le principe. Mais ma'atin, bemasa ou bematan, on devra diminuer les transactions. En deux mots, faire moins de business. Bebinyan, les constructions, on ne construira plus une maison. Ou Benetia, et aussi on ne plantera plus des arbres. Beirusen ou Benisouin, et aussi on ne fera plus des fiançailles ni des mariages. Beshalot Shalom, Ben Adam Lachavero, et on ne se saluera plus non plus en se disant Shalom, entre l'un et l'autre. En fait, on marche avec une tête d'enterrement. Alors d'abord, je précise. Non, je finis ma phrase. Bon, non, je reviendrai après sur le Shalom. Il y a d'abord. On est. Mais Matin Bemassa, au matin, on diminue les transactions, on parle de transactions qui réjouissent particulièrement. J'imagine que ça doit être des grosses transactions, des achats très importants qui font très plaisir, des beaux habits. Mais le strict minimum, on a le droit d'aller les acheter quand même, on va faire le minimum vital. Bebinyan, aussi les constructions, c'est bon, on parle de construction de Simcha de nouveau. En l'occurrence, construire par exemple une maison pour un jeune couple, ou bien construire. Élargir sa maison pour le plaisir d'avoir un grand salon ou quoi que ce soit. Benetia, aussi, c'est planter des arbres, aussi, comme c'était à l'époque, des arbres un petit peu plus de décoration et du beau jardinage à la maison. Et Roussine et Nesouine, on parle aussi de fiançailles, de mariage, de gens qui ont déjà eu des enfants. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants, ils pourront continuer à se marier. Et aussi, la Mishnah continue en disant, si on ne se saluera pas, vraiment la tête d'enterrement comme à Tisha B'Av, on ne se dit pas bonjour comme avec des endeuillés. Pourquoi? Comme s'ils étaient des. Pas comme si, c'est réellement comme ça. Comme s'ils étaient des gens avec qui le ciel, Hachem, Akadosh Baruch Hu, les fâchait contre eux. Être nazouf. Nazouf, c'est qu'on est. On fait une nazifa, c'est qu'on a grondé quelqu'un. D'accord? La Mishnah continue en me disant Ayechidim Chosrin Umitani, maintenant. On n'instaure plus des jeunes, ça y est, on n'a pas été exaucé. Alors, c'est pas la bonne manière de procéder. Il faut faire autre chose, je sais pas quoi. En tout cas, la Mishnah me dit, mais malgré tout, Yechidim Chosrin Umitanim, les Talmidei Chachamim, comme on a vu, les Yechidim, c'est les Talmidei Chachamim, Chosrin Umitanim, ils recommenceront à jeûner de nouveau, ils continueront à jeûner aussi le lundi et jeudi, Ad Sheyetse Nissan, jusqu'à que va se finir le mois de Nissan. Par contre, Yatsa Nissan, si le mois de Nissan est sorti, Veloyardu Gshamim, et les pluies ne sont toujours pas tombées, qu'ils sachent que c'est Siman Klala. Et c'est un grand signe de malédiction qu'Hachem est très en colère. Non, plus précisément, c'est mal dit. Il fallait dire comme ça. Yatsa Nissan Veyarduk Shamim. Il y a une guirsa comme ça qui nous dit. En deux mots, à partir de la fin de Nissan, la pluie, elle ne doit plus tomber. Si la pluie, elle tombe après Nissan, c'est un Siman Klala. Donc du coup, la machine me dit, même si la pluie n'est plus tombée, jusqu'à Nissan, eh bien, il ne faudra plus continuer à jeûner et à prier, parce que le corollaire, ce sera un siman klala si ça tombe, donc l'un comme l'autre, qu'il y ait la pluie et que ce soit une klala ou qu'il n'y ait pas de pluie et que ce soit aussi la klala, et la klala, c'est la malédiction, eh bien, dans tous les cas de figure, donc,
c'est pas un bon signe, donc on laisse tel quel, et puis on continue à faire tu vois, bien sûr, qu'il n'y a jamais des pitiés de tout le monde, mais voilà, par rapport à l'ordre des tfilotes et des jeunes, c'est fini. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.